Ok. Bon, on avait fini le jeu il y a quoi, 2 semaines? On avait fini le jeu il y a 2 semaines, du coup on est vraiment très bien synchronisé. On peut avoir fini le jeu de base si on veut faire direct le DLC. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, en tout cas ici nous l'avons terminé. Ici nous l'avons terminé. Merci Nomi 75 pour les 34 mois, merci beaucoup. Je n'ai pas vu l'histoire, est-ce que je fais tout le jeu plus DLC ou juste le DLC? Oh bah je te conseille de faire le jeu normal. Je te conseille de faire le jeu normal, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est un des meilleurs jeux que je fais de ma vie, je crois, hein, tout simplement. Voilà. Hein. Ok. Bon, on est parti, hein. À ce point. Ah oui, c'est une claque incroyable, Outer Wilds. C'est une claque extraordinaire. Et ouais, du coup, après que j'ai fini, j'ai lu tellement de trucs, j'ai regardé plein de vidéos dessus et tout, c'est passionnant. J'ai même maté le petit documentaire qu'il y a eu sur la conception du jeu, qui est vachement intéressant. Qui est disponible sur YouTube. By the way. Allez, Outer Wilds, premier DLC Echoes of the Eye, on est parti. On est parti. Let's go. Ah là là. Ça fait longtemps. Mais alors du coup, il y a du nouveau? Mais tout ça. Ouais, ok. Alors je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Hein. On va faire comme d'hab. Hein. On va faire comme d'hab, on va aller là-dedans et puis voilà. Hein. Je sais pas s'il y a du nouveau. Je sais pas s'il y a de nouveau. Je sais pas du tout ce qu'il y a de... Ouais. Ah oui, j'avais fini le jeu la première fois, oui bien sûr. Attends, je regarde juste. Hein. J'espère que les commandes vont bien me revenir, mais normalement ça devrait le faire. Bah, je sais pas du tout. En fait, le problème. Les notifs parlaient du musée. Ah, faudrait peut-être que j'aille dans le musée. Pas un mode à part à lancer sur le menu, bah, je pense pas, non. Bon, dans tous les cas, attendez, je vais retourner. Je vais retourner juste. Merde, j'ai pas lock à trebois. Pitié. Oh putain! Ok, les habitudes se perdent un peu, c'est pas grave. Attends, juste. Ça commence bien. Attendez, faut que ça revienne. Ça fait 2 semaines, calmez-vous. Calmez-vous, messieurs, dames. Où est le village? Je me souviens plus, là. Merde, il est où le village? J'ai tout oublié. Ah, il est là. Je vais aller direct au musée, hein. Mais par contre, je sais pas trop où me poser, mais... Je vais me poser là-bas. Rire de droite. Voilà, regardez, c'est smooth. Tac. C'est quoi l'accroche DLC? Aucune idée pour l'instant. Ok, merci Vin S pour les 4 mois. Zilko les 7 mois, merci beaucoup. Ok. Alors, y a-t-il du nouveau par ici? C'est pas eux qui vont me donner des trucs. Hein. Rire de droite. Salut Justin. Et merci Charles Duprat pour les 3 mois, merci beaucoup. Là, pour l'instant, je ne sais même pas où aller pour récupérer le premier truc, le premier bail en rapport avec le DLC. Oui, non, mais oui, d'accord. Oui, oui. Je vois. Je sais même pas où aller, en fait. En plus, je peux même pas demander votre aide, parce que c'est littéralement sorti il y a 46 minutes, quoi. Donc c'est énorme. Le DLC Isolai. C'est de fou. Hein.
Attendez, c'est nouveau ça, non? Ah non, mais d'accord, c'est... C'est le générique. Merci à tous. T'es sûr que le DLC est bien actif? Bah quand j'étais sur le menu... Quand j'étais sur le menu, il y avait écrit, hein. Il y a un nouveau truc dans la grande salle? Ah, dans le musée, il y a un truc. New Exhibit. Ah, oh, putain, j'avais pas vu, pardon. Je sais pas où c'est. Ah, New Exhibit. La tour de transmission présente sur Atrebois a été construite pour recevoir des messages de notre... Ah, c'est ça. De notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire entier. Nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui le porte... Ah, ouais. Qui le porte loin au-dessus et en dessous du plan du système solaire. Grâce à une amélioration récente, le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes. Donc il faut que j'aille sur cette tour-là à Atrebois. Ok, c'est bon. Voilà le premier indice. Et à partir de là, c'est des merdes de toi. Tac. Bonk. Alors, où est-elle, cette antenne? Merci le Lu Sauvage pour les 8 mois. Luvidoc, les 8 mois. Nitnout, les 11 mois, merci beaucoup. Alors, où est-elle, cette tour? Pam, 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 pam. Je la vois quelque part. Là-bas. Pourquoi ça la lock pas quand je... Ok. Donc ça y était pas avant. Ok. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Alors... Du nouveau. Signal identifié à proximité... onduloscope. Ouais. Alors attention, ça va faire peur, hein, bien sûr. Et ça enregistre. Voici deux jours que le satellite d'espace lointain a été lancé. Je suis sur le point de visionner les premières images. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche, car le programme Odyssée a... Ah, elle s'imprime, les voilà! Par les étoiles, regardez-moi ça! Voici Gravité! Et regardez-là, c'est la lanterne! Ici, c'est Léviat et la lune quantique! Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots! Chacun des corps astraux de notre magnifique système solaire sublime sous chaque angle dans la moindre de ces images! Et tout ça en couleur! Ça, c'est de l'art! Je pourrais fixer ces photos pendant des jours! Vous ne trouvez pas un trebois minuscule depuis... Attendez, c'est quoi ça? C'est impossible! C'est... Je veux dire, vraiment, c'est impossible! C'est moi qui lis mal la photo? Ce qui est encore plus bizarre, c'est que ça n'apparaît pas sur les autres images, juste celle-là. J'imagine que c'est l'appareil qui a eu une défaillance. C'est la seule explication que je puisse donner. Je vais envoyer un message à Gabro et lui demander d'aller vérifier l'état de la lentille du satellite. What is this shit? Qu'est-ce que je capte pas? Là, clairement, on voit les... Y'a tout, hein. Y'a tout, y'a tout. Gravité la lanterne. Effectivement, là, il y a un astre, je sais pas ce que c'est. Il y avait écrit un massage. Parce que là, je vois, du coup, Sombrance, Gravité, la lanterne, Atrebois, la rocaille, ce truc, on sait pas ce que c'est, les sablières et la lune quantique, l'intrus et l'Léviat. Donc là, il y a clairement un astre qu'on sait pas ce que c'est. On sait pas du tout ce que c'est. Et qui n'est pas d'ailleurs sur cette photo. On n'est d'ailleurs pas sur cette photo. Bonjour. Satellite angle 40 degrés. 350 degrés. Tac. Ok. Tac, tac. Ouais. Ouais, c'est vraiment sur cette photo à 40 degrés. Quand le satellite est à 40 degrés que... Il y a un truc en plus. Là, du coup, ici, ça capte, c'est ce truc-là. Hein. Ouais, c'est ça. Pour la transmission. La radio spatiale.
Ça, c'est intéressant. Radio spatiale. Radio spatiale. Je me souviens pas de cet endroit. Je me souviens pas d'ici, là. J'ai vérifié au moins 1000 fois et pourtant les images de la tour de transmission sont toujours pas prêtes à l'impression. Satellite surveillé, jamais ne transmet de données, comme on dit. Ah, c'est une petite blague pour toi, ça, le journal, personne ne dit ça. Un de ces jours, il faudra que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit autant quand j'attends quelque chose. D'ici là, j'en ai parlé à Gabro, notre expert local, sur ce qui est d'ignorer le temps qui passe. Il m'a recommandé de faire ce qui suit. Les trois étapes inratables de Gabro pour s'endormir. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise. Fixer la chaleur sereine du regard. Le temps commencera à filer. Oui, bah c'est... Gabro savait que j'avais pris des notes. Je me ferais traiter de malade, mais je refuse d'accepter la moindre pique de la part de quelqu'un qui brûle délibérément ses guimauves. Ok. Du coup, je pense qu'il faut aller voir Gabro sur les viades, peut-être. Ou suivre, peut-être, la... Attends, déjà, on va aller dans la fusée. Tac, tac, tac. Alors, attends. Est-ce que j'ai du nouveau là-dedans? Oui. Tour de transmission. Une tour de transmission conçue pour recevoir les photos prises par le satellite d'espace lointain. Plusieurs photos du système solaire entier ornent les murs. Cornet a remarqué un détail étrange sur l'une d'elles, mais on a conclu que la seule explication rationnelle était une défaillance matérielle. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup. Alors, attends. Décollons, tranquille. Sortons l'endoloscope. Mettons radio spatiale. Alors radio spatiale, effectivement, il capte ici. Mais est-ce qu'il capte autre chose ailleurs? Non, il capte que la radio spatiale. Ouais. Ouais, non, il capte que ici. Du coup, il faudrait peut-être que j'aille voir Gabro sur les viates. En plus, ça serait l'occasion de faire le truc qui permet de reset les boucles que j'avais jamais fait. Que j'avais jamais fait à l'époque où j'avais fait le jeu de façon normale. Où est Léviat? Ah merde. Ah, c'est pour ça que je la voyais pas. Pourquoi ça marche pas? Mon left marche plus. J'arrive plus à verrouiller. What the fuck, les amis? Bah. J'ai regardé les VOD, je suis à jour. Celle sur Twitch, oui. Celle sur YouTube, non. Bah merde, je peux plus lock les objets. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Mais t'as fini Outer Wilds? Ah oui, on finit Outer Wilds, oui. Ah, c'est pour ça que tu posais la question, oui, parce que t'es que sur YouTube. Ah oui, j'ai fini Outer Wilds de fou, oui. Bien sûr. Ah mais putain, mais la vie est là, je trouve. Reset les commandes, j'ai dit pareil. Paramètres par défaut. Ah oui, merci. De droite. J'ai fini il y a 2 semaines. Hein. On est 13 à la bourse sur YouTube. Hein. Merci Mike pour les 17 mois. J'ai raté quelque chose du début du live, du lore. Bah, il y a une tour avec notre satellite lointain qui prend des photos de notre système solaire et sur une des photos, il a vu un astre qu'on ne connaît pas. Et il en a parlé à Gabro. Gabro, on rappelle qu'il se trouve sur Léviat, donc je vais aller voir Gabro sur Léviat. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Léviat, tu peux foncer normalement. Sauf si tu tombes sur une île, là, c'est pas de chance. Il va doucement. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous. Léviat, une des planètes les plus sympas. Ok. Là-bas. Hop, 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 doucement, c'est doucement, 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 doux, on va se... Hop. J'ai bunié le vaisseau. Poum, 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 poum. Ah putain, c'est vrai que Léviat, c'est comme ça. C'est vrai que la gravité sur Léviat, elle est dégueulasse. Putain, mais nulle part, je peux me poser à côté de toi. Oh putain. Doucement, 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 doucement. Ah mais il est pas là.
Il est plus là. Et en plus, il était... Ah non, il était peut-être sur son hamac en dessous, là. Merde, il était où, Gabbro? Merde, Gabbro a disparu de l'Eviat. Ah non, il est là. J'avais oublié. Alors. Tac, tac. Comment tu fais pour garder ton calme en sachant que tu vas mourir à chaque fois? C'est peut-être ce truc-là qui va me dire... Oui, il va me dire... Je respire profondément. Non, mais sérieusement, la méditation. Voilà. C'est un truc que j'avais pas fait. Tu veux que je t'apprenne? La prochaine boucle arrivera sans que tu t'en rendes compte. Allez, pourquoi pas. Très bien, ferme les yeux. Ok. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, je peux... Je peux le faire moi-même. Je peux le faire moi-même, je crois, maintenant. Dans tous les cas, on va revenir là-bas. Tac. La touche R. Méditer jusqu'à la boucle suivante. Merci à tous. J'aurais dû faire ça depuis tellement 1000 ans. Mais j'aimais trop me suicider in-game, hein, bien sûr. Merci Nibelungord pour les 10 mois, merci beaucoup. Alors... Where is Léviat? Léviatouille. Oula, bonsoir. Antoine Daniel, franchement... C'est Dunizel pour les 16 mois de sub-tier 2, merci beaucoup. Le bruit de la mort dans le sable. Ouais, j'avoue. Trop de plaisir. Ça permet de faire des câlins au soleil, ouais, bien sûr, tout ça. Trop de plaisir. Je vais rentrer en collision avec leur lanceur de merde, là. Alors. Bonsoir. Hop, 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 hop. Alors. Où c'est que c'est? Où est le machin, là? J'ai dû le rater. Hein. Là-bas. Tout bien. Ok. Ça se trouve, il va rien me dire. Hein. Bonsoir. J'ai fait une découverte, voyons voir. J'ai trouvé une photo de toi dans la vieille tour de transmission. Est-ce que j'avais l'air occupé dedans? J'espère que j'avais l'air occupé. Ça devait être l'époque où... Hornfels, je suppose que c'est... Hornfels, c'est... Comment il s'appelle? Le... Enfin... Ah putain, comment il s'appelait? C'est injouable hein, pour moi. Bon bref, à l'époque où il m'a envoyé... le jeu est merdique, hein, 0 sur 25. Où il m'a envoyé pour checker... le satellite de l'espace profond. Il pensait que ce vieux satellite pouvait être mal fonctionné, pouvait être avoir une malfonction, une mauvaise fonction, il ne marchait plus. Dysfonctionnel, voilà. Mais je ne pouvais rien trouver de... Ouais, c'est Cornet, ça, Hornfels. Mais je ne pouvais rien trouver de... Enfin, rien trouver de mal chez lui, quoi. Il marchait très bien, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il a eu... une belle photo de moi avec mon casque. Oh putain, pourquoi c'est pas traduit, au secours? Dites-moi que le reste est traduit, hein. Pitié, monsieur, hein. Pitié, monsieur, hein. J'ai toujours pensé que c'était plutôt sympa. Attends, je vais la retourner. Attends. J'ai toujours pensé que c'était plutôt cool
que la meilleure façon de trouver le satellite, qu'il appelle All Spacey, est d'utiliser une carte qui est générée par le satellite lui-même, n'est-ce pas? Comme s'il nous invitait à lui rendre visite. Ce bon vieux satellite de l'espace profond. Toujours, il est toujours certain, il fait toujours en sorte qu'on soit sûr de le trouver, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que Cornet pensait que c'était cassé? Je ne sais pas. Cornet m'a probablement dit pourquoi, mais Cornet me dit beaucoup de choses. Et parfois, je vais me prendre une tornade. Super. Et parfois, je suis un peu dans la lune. Voilà. Ou je prétends qu'il... Putain! Laissez-moi... Non. Attends. Non. Tout va bien. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. J'avais jamais vu qu'il flottait quand tu... Attention. Attention les pieds. Boum. Alors. Tac, ouais, ok. Ta. Non, putain. Si tu veux visiter le satellite, la façon la plus rapide, c'est d'aller dans ton vaisseau et d'utiliser ta carte du système solaire et de la loquer sur le satellite. Et de la verrouiller sur le satellite. Comme tu le feras avec n'importe quel corps astral, bien sûr. Putain, mais c'est... J'en ai ras le cul de l'Eviat, là. Hein. J'en ai ras le cul. Oui, ok. Et bah autre chose. All Spacey. Ok, attends. Bon, je vais retourner là-bas. Et je vais aller... J'espère que le reste est traduit, hein, sinon je vais péter un plomb. Ok. Alors. Attends, juste un truc. Donc si j'utilise ma carte... Ah, je vois ça. Je vois son truc au-dessus. Là, je crois que je l'ai vu passer. Non? Si? Là! Pas ce truc-là, là? Truc rouge, là. Petit truc rouge. Attends, je dézoome. Là! Let's go. Cassons-nous d'ici. C'est loin. La vache. La vache. Rire de droite. Merci Volvurine pour les 11 mois. Matrona les 11 mois. Boudin d'amour pour le prime. Merci beaucoup. Pote de cut me manque. Putain, tu m'as convaincu. Si ça te manque, il y a les chances que j'en refasse un hein, du coup. C'est bon, on s'approche. Mais paramètres de langue sont suspensions en français. Hein. Les autres dialogues, en fait, c'est juste ce dialogue-là qui n'était pas traduit. Hein. Ok. Oh putain. Putain. Oh non. Oh non, pardon! Oh non, je l'ai cassé! J'ai bugné le satellite! Non! Ah! Mais attends, mais comment je fais mon délire, moi, là? Mais au secours, là! Alors oui, je l'ai trouvé. Et je crois que je lui... C'est la fin du DLC, hein. Mais c'est impossible... Attends. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Attends, mais est-ce seulement possible de...
Rire de droite. Ah putain, en plus, vu que mon truc est cassé, je peux pas annuler ma vitesse. Attends. C'est super chaud, comment je fais pour... Merde, hein. Finir en jetpack, mais il va trop vite. Regarde la vitesse à laquelle il va. Je peux pas y aller en jetpack sur ce truc-là. Rire de droite. Il me fonce dessus. Stop. Voilà, 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 voilà. Ok, 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 ok. Arrête, arrête, arrête. Arrête de faire les dingues. Arrête, tout va bien. Arrête. Bro. Bro. Arrête-toi, arrête de tourner. Doucement, doucement, tout va bien. Aïe. Tout va bien, tout va... Est-ce qu'il ralentit ou moins dans, au moins dans... Arrête-le avec ton corps, bah ouais. Stop. Arrête. Aïe. Le bâtard. Oui bah signal, je suppose que c'est ça le signal en question. Oui, d'accord. Il a été filé satellite d'espace lointain. Bon, au moins ça c'est fait. Est-ce que si je le recogne avec mon véhicule, peut-être qu'il va se calmer? Peut-être que c'est pire? Stop. Calme-toi. Calme-toi. Voilà. Calme-toi. 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 Il est où? Oh non, il est parti. Mais attends, mais... Au secours! J'ai envie de crever. Hein. C'est déjà énorme. Comment je fais pour appréhender ce putain de satellite, quoi? Et ripper cette boucle. Ah oui, bah écoutez. Ah merde, j'ai encore des trucs. Cockpit. Oh, c'est pas grave, le cockpit c'est ok. Qui a besoin d'un cockpit? Merci Bercher. Pour les 14 mois. Je vais lui foncer dessus, hein. Je m'en fous, je lui fonce dessus, hein. Attends. Arrête, 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 ah, 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 putain, mais... J'y vais à pied, hein. Ça sert à rien, je vais pas assez vite. Attends. Attends, là, je peux y aller. Au pire, je crève, hein. Stop, stop. Merde. Attends, doucement. Doucement.
Vas-y, vas-y. Ça me le fait qu'il tourne sur lui-même comme ça, là. En fait, c'est peut-être... Il tournait pas sur lui-même comme ça avant. En fait, faudrait peut-être que je recommence la boucle, que je le cogne pas et que j'y aille comme ça, hein. Ça va, bro? Ça va, bro? Oh, putain, bro. Bro, bro, bro. Non, mais t'es inutilisable. Je peux rien faire de toi, là. Je peux rien faire de toi. Oui. Oui. Ah si, Camille Mine, pour les 14 mois. Rafi Bena, pour les 11 mois. Ok. Faut pas que je le percute. Faut pas que je le percute. Percute au no. Percute au no. Faut pas le beugner, là. Pam 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 pam. Je suis allé voir Gabro, absolument. Je pense que le dev voulait punir les gens trop pressés. Oui, bah écoute. Hein. C'est réussi, voilà. Bravo à eux. Il est où le trou de balle? Il est là. Ok. Ok. Doucement. Doucement, 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 doucement. Ralenti, 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 ralenti. Je tente le ralentissement d'urgence. Allez, doucement. Au moins, il ne va pas me percuter. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Il faut qu'il soit à 40 degrés, je me souviens que c'était ça le truc. C'était 40 degrés pour qu'il voit le truc. Le truc bizarre. Rapprocher avec le vaisseau, mais vraiment doucement, quoi. Non. Je vais vite. Pardon. Calmos, 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 calmos. Hop. Doucement. Tout doux, tout doux, tout doux. Tout doux. Ok, c'est bientôt. Je sais pas ce qui va se passer. Hein. Et y a un truc. Oh putain, y a un truc. Oh oui. Oh oui, y a un truc. Oh putain. Oh putain. Oh putain, putain, putain. Va là-dedans vite. Non, non, non. L'autre truc. Là-bas, 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 là-bas. Ça, 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 ça. Pas le soleil, je m'en fous du soleil. Ça, c'est quoi, ça? C'est quoi, cette planète-là? C'est qui? OMG. Je peux pas le lock. Oh putain, il faut que je sois dans la vision du soleil. Descends, 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 descends. 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 Wow.
Oh putain, mon vaisseau est pété. Ouh la zic. Merde, mon carbu, par contre, ça pue un peu la merde. Je sais pas où je vais, je sais pas ce qui se passe. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Très difficile à contrôler, là. C'est nos mailles, ça? Je suis pas sûr, hein. Boum! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça a tellement pas la gueule du reste des trucs qu'on voit dans le jeu d'habitude. J'ai pas ma lampe torche? Ah si, mais sauf que... Je sais pas. Ok. Ouais, ça fait pas nos mailles du tout, hein. Langue inconnue. Ouais, c'est une autre race. Une autre race, le. Ouais. Y'a pas un interrupteur? Bah, je sais pas. En tout cas, y'avait pas. J'ai pas eu de truc avec lequel interagir. J'ai allumé ma lampe torche. Ah, ça marche à la lumière. Et si je fais ça? Ok, le truc marche à la lumière. Tac. Patrick Balkany sait qu'il pourra compter sur tous ses soutiens. La cigarette russe. Pour les 5, ça va faire. Donc ça, ça s'ouvre ici. J'aimerais bien que ça ouvre de l'autre côté. Je sais pas s'il y a une autre porte de l'autre côté. Oui. Ok. Donc il y a encore cette langue que je ne comprends. Oh là là. Bonjour. Ouh là là! Ouh là là! Oh shit! Ok, donc ça, je suppose que pour avancer, c'est ça? Ok, 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 j'ai compris. J'ai compris comment ça se dirige. Ça se fait à la lumière. J'aimerais bien pouvoir recharger par contre mon... Doucement, doucement, doucement! Comment est la gravité ici? Ça va, je pourrais monter là-dessus. Ou pas. Je sais pas. C'est ultra stylé l'endroit où on est là, attends. Allez. Non, ça veut pas. Oh putain. Oups. En plus mon carburant là c'est une cata. Hein. Non, putain, il faut que j'éteigne la lampe. Il faut que j'éteigne la lampe. Non, qu'est-ce qui se passe? Oh non, 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 j'ai raté. Non, 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 non. Ok, j'ai compris. Faites-le redescendre. Faites-le redescendre. Merde. On va aller sur la plage. Non, le courant m'en empêche. Là, il y a un autre truc pour se balader dans l'eau.
vous plaît. Putain, mais cet endroit est vraiment ouf, là. Donc on est dans... Ouais, putain, c'est ici. Journal de bord mis à jour, ok. Attends, avant de rentrer là-dedans... Super stylax. Donc attends, je vais prendre le chemin que j'étais censé avoir pris. Je vais la faire correctement. Ah, une lanterne. Lanterne brisée, hein, d'ailleurs. Donc il va y avoir beaucoup de trucs en rapport avec la lumière, 100%. Trucs en rapport avec la lumière. Rire de traducteur. Eh ben non, et ça, je ne connais pas cette langue, hein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, là. Merci Xeno2 pour les 3 mois, merci beaucoup. Ok. En tout cas, ces gens sont plus grands que moi. J'aime pas. J'aime bien. Ok. Ah, il y a eu un bruit. Ok. Du coup, je suis quand même curieux de voir ce qui se passe quand le... c'est la fin du monde et que... Déjà en main, lanterne. Attends, mais c'est quoi ? Carousel des diapositives. Ah, peut-être que je le mette en bas. Je le mette là-dessus. Merde. Voilà. Et là... Une source de lumière. Une source de lumière. Faut que je mette la lanterne. Mais sauf qu'elle est pétée cette lanterne. Je sais pas. Ouais. Bon, dans tous les cas, ok. Ok, ok. C'est encore très désert, ouais. Encore un autre carrousel de diapositives. Ouais. Je pourrais pas prendre cette lanterne, là, plutôt. Parce que là, à part une lanterne brisée, il m'en faudrait une qui marche pour pouvoir mettre ça ici. Faut que je me rappelle qu'il y a aussi un autre carrousel de diapositives à l'étage, hein. Comment ça fonctionne cette histoire? S'il te plaît! Oh mon carburant est pourri. Attends, là-dessus. Je sais pas. Hein. Je sais pas, hein.
Alors pour l'instant, évidemment, je capte pas grand-chose à comment c'est foutu, hein, cette histoire. En tout cas, clairement, il y a un truc qui joue avec la lumière, comme le fait que ça passe devant le soleil et que ce soit visible uniquement grâce... Enfin, quand t'es devant le soleil. On est sur une sorte de... Ouais, on est dans un cercle. On est dans un cercle. Notre soleil est là-bas. Oups. Ok. Et t'as des sortes de pales. Je sais pas ce que ça fait, mais... En tout cas, le truc devient de plus en plus submergé. De toute façon, mon carburant, c'est pas très grave parce que... Ici, il y a full oxygène. J'aimerais bien prendre ça. Je vais voir si je peux pas monter de l'autre côté avec ça. Stop ! Ah. Merde. Ah oui, non, le courant est trop vieux. Oh non. Okay, écoutez, on va se faire porter. Hein. Ok, j'ai éteint la lumière, je me laisse porter. Là-bas, t'as un truc. J'ai envie d'aller voir. Hop, doucement. Le journal de bord mis à jour. Je suis curieux de voir ce que j'ai écrit dans le journal de bord, là, par contre. Hein, parce que ça reste quand même assez flou. Hein. Bon, le carburant, ça va être mort, mais c'est pas très grave, comme j'ai dit. Tac. Ah, je suis de travers. Ah. Ok, donc là, il y a une lanterne... Là, il y a plein de lanternes... Attends, d'ailleurs, si je prends celle-ci... Moi, wow, tout est devenu beaucoup plus sombre d'un coup. Et du coup, l'endroit où j'avais besoin de la lanterne est complètement... Je sais pas, attends, je vais faire un test. Hein. Je teste des trucs. Hein. Réduction de la peur, là. Non, pour l'instant, ça va. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et d'ailleurs, si j'utilise ma lampe torche... Alors, il y a eu un bruit. Ah. Ah, je peux pas me... Je peux pas y aller ? Vraiment, je peux pas y aller. Ah si. Ok, donc là, il y a un escalier. Non, je sais que j'ai plus de carbu, mais j'utilise mon oxygène pour ça. Oh putain, c'est leur cadavre. Cadavre. Peut-être pas cadavre. Hein.
Quelque chose me dit que si ce feu il s'éteint, c'est not good quoi. En tout cas, il y en a assez. Ils ont tous un truc avec des flammes dedans. Ah, je vais là, comment ça se passe? Bonjour. Je peux pas faire grand chose là, je vais pas vous mentir là. Je peux pas interagir avec quoi que ce soit, je peux pas éteindre le feu. Hein. Oui, il manque un cadavre, hein, je suis d'accord avec vous, il manque quelqu'un ici. Hein. Alors... on va pouvoir sortir, tranquille. Ok, donc ça c'est un peu... je sais pas ce que c'est, mais ok. Putain, l'oxygène c'est moins bien. Mais pour me retrouver sur cette planète, je suis obligé de passer par le satellite de toute façon. Enfin, planète. Sur cet astre. Oh oh, ça je connais cette structure. Je connais cette structure. Ça c'est comme ça que les Nomai représentaient l'œil de l'univers. Oh attends. Oh let's go. Ça, ça fait plaisir. C'est pas déjà 22 minutes? Non, la musique commence là. Je crois qu'on entend le début. D'ailleurs, je suis très curieux. Je peux pas monter là-dessus. Non. Aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe là-dedans quand c'est la fin du monde? Merci Mag pour le Prime. Belle équipe pour l'année. North Rumble, les 7 mois. Super long là. Rire de droite. C'est Mujahideen pour les 15 mois. Ouais, ok. 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 Rien de particulier. Ok. Je vais lire le journal de bord. Bizarre. Chaque tube, il faut utiliser le journal de bord pour placer les repères de destination sur les lieux que tu as déjà visités. Ah! Donc j'ai pas besoin de passer par le satellite pour aller là-bas. Une fonctionnalité brillante, si je puis me permettre, terriblement utile, et le risque de que le régulateur de carburant fasse un court-circuit ou que la fusée explose est si minime, il n'y a que Gossan pour s'en inquiéter. Oh, ok, oh, on connaît. Ok, ok. Si ardoise.
L'étranger. L'étranger. Alors déjà, je vais le lock. Un gigantesque anneau artificiel dissimulé par une sorte de champ de camouflage. Il ne semble pas être d'origine atrienne ou nomaï. De Camus, bien sûr. Une région de basse altitude près de l'entrée de l'étranger. Il y a des habitations en bois le long des berges du fleuve. Deux petites îles rocheuses reliées par un village de maisons sur pilotis. J'ai trouvé un imposant symbole métallique représentant l'œil de l'univers dans un bâtiment détruit par les flammes. C'est tout ? Tu lis pas du tout le fait qu'il y avait littéralement une sorte de cimetière d'extraterrestres là-bas ? Ça, on le voit pas du tout. Hein. On le voit vraiment pas. Hein. Adrien, je te conseille de regarder les VOD que j'ai fait, si tu veux tout savoir. Ok. On peut foncer dans du rien. Ok. Ok, nous y voilà. Le truc tourne. Rire de droite. Très dur de se diriger là-dedans. Ok, bon c'est cool que j'ai pas à revenir au satellite, ça aurait été un peu relou en vrai. Ok, donc là faudrait que j'aille direct à cette sorte de tour. Ah putain, c'est vrai. Ok. Faut que je le pousse. Oui. En fait, faudrait que je... La tour, elle est là-bas. Faudrait que j'y arrive parce que là-bas, t'as une lanterne. T'as des lanternes. Ça m'intéresse. Oui, on n'est pas arrivé au même endroit, j'ai l'impression, effectivement. Je me souviens pas que j'ai eu à pousser le radeau et tout. C'est pas du tout la même chose. J'espère que c'est des gens sympas malgré leur apparence un peu badante. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oui, là-bas. Là-bas, il y a de quoi amarrer le radeau. Ok. Je regarde juste si j'ai pas loupé un truc. Bam 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 bam. On est vraiment sur autre chose là, hein. C'est assez impressionnant. Ok, récupérons une lanterne là-dedans. Au hasard, celle qui ouvre la porte. Ou une de celles qui ouvre la porte. Peu importe. Et ensuite, on va retourner. Putain, je sais plus quel bâtiment c'était ce truc-là. Après le pont, là. Sauf qu'il faut que je fasse tout le tour. Oui, le barrage va s'effondrer un moment en plus, donc faut que je me dépêche. Parce que évidemment on est dans Outer Wilds, évidemment le truc va évoluer. Donc évidemment le truc va se briser, il va balancer de l'eau partout. Je me grouille. Trop cool ce thème là quand t'es sur le radeau. Oh putain! Bro? Oula. Okay. Allez.
Y'a un dev du jeu dans le chat. Non, je pense pas. Ouais, ce barrage va céder. Parce que moi, je veux pas qu'il cède maintenant. Y'a pas moyen de passer. Je peux pas passer en vrai. Ah si. Oh là 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 là. Bro. Allez. Voilà. Merci Ib pour les 5 mois. Ah trop bien. Trop malinx. Ok, je crois que c'est la baraque qui est là-bas. Je vais être dans la sauce si... Je sais pas en combien de temps il se pète. Allez, allez. Merci à Zohara pour les 18 mois. Merci Tif Tif Miou les 13 mois. Allez. Quoi? Il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, hein. Tu pètes pas maintenant. Rire de droite. Pitié. Ah putain, mais vu que j'ai la lampe. Où est l'autre truc? J'ai oublié où est-ce que c'était. Derrière, non? Il y en avait deux, je me souviens. Ah oui, il y en a un là. Tac. Vue de l'univers, ouais. Ça, c'était un autre système, c'est pas le nôtre, ça. Ah si, c'est le nôtre. Là, à gauche, on a un autre. Antoine Daniel, franchement... Il a l'œil de l'univers a envoyé un signal jusqu'à leur planète, je suppose. Oui. Exactement. Ils l'ont capté. Patrick avec leur lumière, machin. Sur tous ses soutiens. Il est content. Oh mon dieu, on a trouvé le... Voilà. Merci Ib pour les 5 subs offerts. Guida, les 23 mois de sub tier 2. La KDA, les 15 mois, merci beaucoup. Madazan, les 5. Et là, les trucs sont brûlés, hein. Là, là c'est la formation de là où on est. L'étranger, là. Et là, l'étranger, il se barre. Il va dans notre système. Et voilà. Ok. Donc, eux aussi étaient un peuple qui cherchait l'œil de l'univers. Ok. Tac. Oh non. Qu'est-ce que c'est? Oh, vraiment, il y a une histoire de lumière dans leur truc, hein, vraiment. Tac, donc ça ouvre leur truc. Il a peur gentil. Je pense pas qu'ils soient méchants, je pense juste qu'ils sont assez intimidants. Donc là, il éteint la lumière du truc. Et il se barre. Parce que j'ai l'impression que leurs yeux font de la lumière également. Ok, donc... Les deux trucs sont cramés, hein, dans tous les cas. Ok. Donc tout ça, ok. Je suis curieux de voir comment ils résument ça dans le journal de bord, en vrai. Donc le barrage va péter, oula, oui. Oula. Malaise.
Ok. Est-ce que je suis allé là-dedans d'ailleurs tout à l'heure? Je sais même plus. Hop hop. Encore leurs écritures que j'arrive pas à lire. Ouais, ils ont des yeux phares, hein, complètement. Mais attends... C'est-à-dire que j'aurais pu prendre la lanterne d'ici, en fait. Attends, c'est exactement les mêmes dessins. Ah. Voilà. Là, il y a un truc qui s'est ouvert, là. Alors... Pitié, le barrage va céder. Je vais me noyer. Et là, il y en a encore, hein, ils sont encore là. Sauf que là, ils sont tous là. Dans l'autre pièce, ils étaient tous... Ils étaient tous là, sauf un. Il manquait une place. Eux, ils les lanternes ont les mêmes couleurs que leurs yeux, complètement. Ça d'ailleurs, ça crée une lumière, j'ai l'impression, ce truc-là, au-dessus. Donc je sais pas à quoi ça correspond, ce truc-là. Il est pas là, mais il est où? Bon, bah ça, on va vite le savoir, je pense. Hein. Du coup, au-dessus, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas aller au-dessus comme ça. La gravité est assez lourde. Et là, effectivement, du coup, t'as les flammes qui alimentent ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi. Ok. Donc ça, c'est le premier village, on va dire. Ah, là-bas, il y a une maison aussi. J'aurais jamais le temps d'aller la voir. YOLO. Parti faire pips, peut-être, effectivement. Hein. Pips, pipsouille, un pipsousage. Ok. Merci John Stark pour les 13 mois, merci beaucoup. Il devait attendre là pendant le voyage, je sais pas du tout. Ça a l'air d'être encore une opération échouée, exactement comme pour les Nomai. Ok. Ah mais c'était là d'où j'étais venu tout à l'heure. C'était de là d'où j'étais venu tout à l'heure. Oui. C'était là d'où j'étais venu tout à l'heure. D'ailleurs... Vu que le barrage va se briser. Tout à fait. Ça va péter. Merci Blutch pour les 100 bits. Merci beaucoup. Blutch. Blutch. Tac. Donc j'ai pas spécialement envie qu'il m'accroche là, mais bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu obligé. Ok. Donc là-bas, on a vu la grande tour là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'y a-t-il d'autre? Trop cool cette zique, hein. Bon. C'est le barrage qui a pété ça? Non, c'est juste moi. Juste moi qui ai pété, lol. Ah si. Ah si. Si si. Si 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 si. Arrive.
c'est bon, 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 c'est pas bon. Wow. Ok. Qu'est-ce qui est accessible maintenant ? Qui ne l'était pas avant d'ailleurs. Là-bas, il y a un truc. Celui auquel je suis pas allé là-bas. Oui, il y a un petit air de mist, je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, ça m'y fait penser. J'y ai pensé aussi, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas du tout... C'est peut-être, ouais, des sortes d'îles comme ça, avec des arbres un peu comme ça, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi ça m'y a fait penser. Ah, attends, je vais aller là. Boum. Alors... Ah, encore un truc. Encore un truc de diapositive. Ok, lui, il est cassé. Ah, merde, on voit rien. Ok, il y en a un là. Il y en a qu'un seul ? Non, il y en a deux. Oh, allez ! Tac. Et du coup, là-bas, je sais qu'il y en a un. Enfin, qu'il y a des lampes. Boum. Excusez-moi. Rire de droite. Boum. Boum. Ah si, le dabs. Pour les 27 mois. Donc l'œil de l'univers. Ah ok, c'est des différents trucs. Le premier truc, qu'on a, la planète, c'était le premier diapositive. Le deuxième, c'était lequel ? Je sais plus. Et du coup, ça, c'est l'œil de l'univers, celui-là. Ok. Donc ça, c'est bien lui, hein, bien sûr. Tac, tac, tac. Oh oui. Ok. Donc ça, c'est le bâtiment qu'on a vu avec leur symbole de l'œil de l'univers. Et bon, chez eux, il est représenté exactement de la même façon que chez les Nomai. La maison brûle et l'œil de l'univers vole au moment où ça brûle. Le truc se reconstruit. Ah non, c'est à l'envers. Je dis de la merde, j'ai regardé le truc à l'envers. Il faudrait peut-être que je regarde dans l'autre sens. Attends. Parce que... Tout à l'heure, c'était dans l'autre sens que ça se regardait. Là, il voit l'œil de l'univers. Il le scanne. Bam. On voit que l'œil de l'univers tue tout l'univers. Au revoir. Vous êtes mort. C'est horrible. J'ai pas envie que ça arrive. Oh non, je ne veux pas que ça arrive. Non, c'est horrible. Du coup, il faut détruire notre église qui vénère l'œil de l'univers parce que l'œil de l'univers est hostile, selon eux. Selon eux, l'œil de l'univers est hostile. Du coup, eux, leur but, c'est d'empêcher ce que fait l'œil de l'univers, probablement. Probablement. Ah, ils ont pas envie que ça arrive. Bah, ils ont raté. Bah oui, on sait qu'ils ont raté. Ça, c'est encore, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est comme l'autre fois. Alors je sais pas si le truc il l'enferme ou s'il le... En fait je sais pas dans quel sens voir ça en fait. Ah oui, c'est les différentes barrières qui enferment ce truc là. Truc là qui a l'air peut-être dangereux, je ne sais quoi. La première barrière, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être qu'ils ouvrent le truc. Peut-être qu'ils... Je sais pas dans quel sens regarder ça. Ouais, c'est des sauts hein. Ils scellent cette sorte de...
tombeau, j'en sais rien. I don't know. Il y en a pas un troisième? Je crois pas, hein. Mais je vais quand même checker vite fait. Ok. Ok. Donc ces trucs-là, on a vu. Attends, j'aimerais bien aller là-bas, en vrai. Please. Please. C'est pour ça que le rotail de l'œil était complètement carbonisé, d'ailleurs. Et du coup, si je vais voir les maisons qui étaient derrière feu le barrage... En fait, là du coup j'ai visité les deux premiers villages, on va dire. C'est encore une fois du génie, hein, je tiens à le dire. Pour l'instant j'ai rien vu, hein. Enfin j'ai pas vu grand chose, mais de ce que je vois pour l'instant c'est encore une fois incroyable. Ce qu'ils ont fait pour l'instant. Il y a un truc là. Je vais aller voir, mais je crois pas trop. Mon carburant est un peu dans la sauce, hein, faudrait que je retourne à l'hôtel de l'œil, mais de toute façon ça va être la fin de la boucle, non? Ok. Ouais, cet endroit est vraiment vraiment cool là, cette sorte d'anneau là. Ah mais il y a un truc là-bas. Journal de bord mis à jour. En fait parfois je me demande ce qui met à jour. Je peux pas y accéder là. Faut que j'y accède avant, que c'est probablement brisé par la vague, ce truc-là. Hein. Là, clairement, je ne peux pas y aller, là. Ouais, non, c'est pas possible. Donc ça, faut que j'y aille absolument dès le départ. C'est le prochain truc que je dois faire avant la... Avant le... Enfin, dès la prochaine boucle. Et ça, j'ai pas vu par contre, les petites maisons avant le barrage là. Ça, j'ai pas été encore. Ça, j'ai pas fait. Oula. Ok. Rire de droite. Merci Majinko pour les 9 mois. Non, mais je comprends totalement, y a pas de soucis si vous voulez vous garder la surprise pour vous-même. Hein. Franchement, régalez-vous. Ouais, c'est une centrifugeuse géante pour créer de la gravité avec l'inertie, tout à fait. Il est peut-être plus simple, quoi, mais oui. Alors... Est-ce que je peux aller là-bas? C'est quoi? Attends. Ah, encore une salle de cinoche? Putain, mais il n'y a que des salles de cinoche en fait ici. Mais là, je sais pas où est-ce qu'il y a une... Ah si, au moins j'ai ça. Rien. Ok. Et où est-ce qu'ils ont des trucs? Un truc que je pourrais faire lire au machin? Un truc, le machin, le truc machin. Alors bro... Vue sympa quand même ici là. Ouais, mais ils ont pas ça. Ah, c'est la fin en plus. Bah ouais, mais je sais pas où est-ce qu'il y a leur truc. Hein.
peut être dans un autre bâtiment. Peut-être là-bas, je sais pas. Trop là. Ah, le code des enfers, encore une fois. Ok, nous allons crever. Ah, regardez, là-haut, il y a une sorte, c'est quoi? Attends. C'est quoi ça? Pour créer de la lumière à l'intérieur, non? Probablement. C'est le mini soleil du truc, quoi, en fait. Ouais, c'est un soleil artificiel, exactement. Ils ont pensé à tout, quoi. Ok. C'est PTDRT qui pour le Prime. Bird Alex, les 9 mois. Drunken Choco, les 9 mois. Ok. Je suis sûr que le DLC fait pas peur. Mais en fait, le truc qui fait peur, c'est qu'ils te disent au départ, attention, ça peut faire peur. En fait, c'est ça qui fait peur. Plus que, en fait, le contenu en lui-même, je pense que ça va aller. Et c'est juste le fait de... Ils disent ça. Alors attends, quelles sont les nouvelles? Au secours. Mais y a pas de flèche? Ah voilà, merci. Ok. Alors. Ok. Un énorme réservoir avec des bâtiments et des jetées en bois sur chaque rive. Attends, plaine fluviale, ok, attends. Coffre scellé. Un carrousel de diapositives des plaines fluviales m'a montré un coffre étrange, en train d'être fermé et scellé avec des chaînes et un symbole lumineux. Un carrousel de diapositives des îles cendrées m'a montré un symbole lumineux et des chaînes apparaître autour d'un coffre étrange. Oui. Voilà, le coffre sorte de tombeau, là, que j'ai vu. Un carrousel de diapositives montrant l'origine de l'étranger et de ses habitants. Plusieurs diapositives ont été brûlées et ne peuvent pas être visionnées. Ok. Deux petites îles rocheuses reliées par un village de maisons sur pilotis. J'ai trouvé un imposant symbole métallique représentant l'œil de l'univers, oui. Un carrousel de diapositives montrant les habitants de l'étranger en train d'analyser l'œil de l'univers. Plusieurs diapositives ont été brûlées et ne peuvent pas être visionnées. J'ai vu un bâtiment comportant un symbole singulier encastré dans l'une des parois du canyon, mais le pont qui y conduit a pourri. Ah, il a pourri, donc il est pas cassé, en fait. Et en fait, il est pas cassé. Du coup, il est déjà pourri dès le départ, en fait, le truc. I don't know. Je peux pas y aller dès maintenant, quoi. Pour retester l'histoire... Non, mais bien sûr que je vais retester. Merci Mister Pansol pour les 9... Les 8 mois, pardon. Sanel, les 9 mois, merci beaucoup. Ok. Ça, c'est vraiment très délicat, je trouve, de se poser là-dedans. Faut que je fasse une rotation. Oui. Hop là.
trop stylé hein, quand même. Les mecs qui font ce jeu, c'est vraiment des ouf. Hein. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font, je trouve. Ah, c'est là. Allez. C'est marrant, je suis rentré par une autre entrée tout à l'heure. Du coup, le pont en question, il est avant le barrage et il est où ? Je vois pas, il doit être caché. Ok. Ah, je l'ai pas assez poussé. Let's go. Merci vous Dash pour le Prime, merci beaucoup. Clairement mon vaisseau est inutilisable là-dedans, je peux pas rentrer là-dedans avec mon vaisseau. Je dois faire la même planète en boucle jusqu'à ce que tu restes tous sur la planète. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Rire de droite. Merci Déborah Charlie pour les deux mois, merci beaucoup. Noxious Live les 11 mois. Donc le pont en question. En fait faudrait que je puisse monter depuis ailleurs en fait. Par au-dessus là-bas mais... pas trop comment. Oui, grâce. C'est vrai que même ça, c'est bien pensé, effectivement. T'arrives pas par cet endroit-là au départ. La première fois que t'arrives ici, t'arrives forcément par l'endroit par lequel on est arrivé. Et du coup, t'es surpris par le radeau, en fait. Ça, c'est trop stylé. Où est le pont ? Ah, il est là. C'est ça. En fait, faudrait que j'arrive à passer par au-dessus, en fait. Merde, je peux pas. Si. Le courant me baisse pas trop, là. Un peu, mais ça va. Donc le pont est déjà pourri, en fait. Hein. Là, faudrait limite que j'arrive par là, quoi. Je sais pas comment faire. Sinon là-bas t'as une entrée aussi. Merde. Enfin ou une sortie, je sais pas, mais en tout cas t'as une porte dans la falaise là-bas. Là-bas. Comment je peux faire pour y accéder? J'essaie de voir s'il n'y a pas moyen de monter sur ce truc là pour ensuite accéder à là, mais j'ai pas l'impression. Peut-être par là. Ah si, peut-être en passant par le barrage, peut-être. Peut-être en passant par le barrage, tant qu'il est toujours là. Non. Merde. Bon, on y va quand même, hein. On y va quand même, bien sûr. Merci, Adobinks. Pour aider moi, merci. Ok, faut que je monte sur le barrage. Maison là, c'est celle qu'on a fait à la fin. Ah mais il y en a aussi là-bas en fait. Il y a aussi des trucs là-bas. Hein. Non, ça fait pas tant une sacrée trotte en vrai. Tu vas assez vite, hein. T'es porté par le courant en fait. Et il y a d'autres trucs là aussi. Hein. Ça a l'air fat hein, ce qu'ils ont fait là. Inouvrable. Ciel ici pour les 6 mois, merci beaucoup. Ouais, ok, je peux rien faire là. Hein. Je vois des trucs à l'intérieur. Ouais, je vois des dessins. Pas, hein. Et ça, ça peut pas s'ouvrir. Hein. Tac. C'est pas les bretons, c'est gentil. Et là, je pense que c'est rien du tout là-bas.
que j'ai pas vraiment l'impression. Ok, attendez, on va aller au barrage et on va essayer de grimper. Ouais, mais non, enfin, ça mène à rien. Je sais pas pourquoi parfois ça fait ça. Parfois, il y a des sortes de petites interférences lumineuses. La musique est différente, là. Il y a une sorte de du. Bien mystérieuse, cette histoire. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Un cadran géant, bah ouais, c'est ce que je me disais. Alors. Ok. Trop de choix. Alors, ok, donc là, c'est vraiment pour admirer, hein, bien sûr. Passer un bon moment entre amis. Ok, tranquille. Et ici, c'est plus ou moins la même chose, mais en dessous. Ah! Ok, donc ça, c'est nous. Ça envoie une énergie à je ne sais quoi. Compliqué, cette histoire. Ok. Bien mystérieux, cette histoire. Un panneau photovoltaïque. Comment ça? Et donc il y avait aussi ça ici. Avec ça je peux en faire un truc. Ok, donc il y en a. Reviens. Alors, c'est sûr que vous n'êtes pas claustro, bien sûr. Un peu l'angoisse, on va pas se mentir. Oula. Mais je suis revenu... Mon vaisseau. Ah mais en fait, je peux directement appeler le truc depuis ici, en fait. Mais attends, ça veut dire que peut-être que de l'autre côté, il y a la même chose. J'ai pas l'impression. Oula. C'est Anderson FCG pour le sub. Il n'y a rien ici. En tout cas, je vois rien. Mais bro, je me serais dit que peut-être que de l'autre côté, il y avait plus ou moins un truc identique. Le truc derrière là mène directement au barrage, quoi. Oh, la lampe de poche là, vraiment. Une sorte d'atténuation de la lumière, mais vraiment vénère. Hein. Ok.
Mais attends, ça va péter ça. Ça va péter dans quelques instants. Et de l'autre côté. Par contre, je peux monter sur ces trucs-là maintenant. Ah, je crois là-bas, oui. Ça, c'est intéressant. Du coup, je pourrais être techniquement... Ah ouais, quoique non, ça m'a l'air d'être un gros vide là-bas quand même. Ah, le guetteur fait mal. Ah, c'est vrai que je pourrais utiliser le guetteur, je suis con. La gravité, pas ouf. Rouge, vert, bleu, bien sûr. TRVB. Eh non, là... Ça a l'air compliqué, hein. Pas se mentir que ça a l'air très compliqué, cette histoire. Ouais. Putain, mais... Comment puis-je faire? Après, il y a toujours ce truc-là que j'ai pas vu. Toute cette partie-là. Je pense peut être intéressante puisqu'elle donne directement sur l'autre côté là-bas. Eh mais du coup de ce côté-là l'eau elle baisse alors que là-bas l'eau elle monte. Ça s'arrête tout d'ailleurs. Hein, ça continue. Ah, en fait, ça continue. Attends, je vois un truc. Ça égalise partout. Ah, j'ai l'impression que là, l'eau, elle est quand même plus basse. Alors que là-bas, clairement, elle est plus haute, hein. Non, là, l'eau, elle est plus basse ici, hein. Elle est 100% plus basse ici, l'eau, hein. Et là-bas, elle est plus haute. Ah. Oh. Ah, il dit Turin, si vous avez compris les trucs, hein, laissez-moi deviner. Ça. Pas grave. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la petite ville suspendue à droite, là, du barrage, là. Je confirme d'où le fait que je n'ai pas l'impression qu'on meurt dans l'étranger. Effectivement. Impossible de mourir dedans. Je te le confirme.